Kabé Manbassa. Mais Doha là c'est comme chez moi. J'adore les lolos. Small picking for small hero. Appelez les pompiers. Tu es pimpant, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. La table est saline, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Que 8 bières peuvent me saouler, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Petit moteur, elle siffle mes bières. Mative et elle, me frotte son derrière. Petit moteur, qui siffle mes bières. Mative et elle, voici les jeunes, tous les étudiants qui n'ont pas faim. J'ai dit décollage. Eh, Zamba Web. Les robes de l'heure. Et l'acteur. Voilà. Ça moule. Ça moule. Ça moule. Ça te ressort les formes du corps. Et l'acteur. Les secrets des étudiants. Les sacs de l'heure. Les robes de l'heure. Est-ce qu'il y a les étudiants et les étudiants dans la place? Wow. Je réponds à votre place avant de que. Yes. Les ouais de l'or, les robes de l'or. Eh, bonjour Gafoué. Gafoué, il n'y a qu'un gars comme toi là doit être marié, tu peux pas être célibataire. On est au village, on n'a pas tout que non, tu es étudiant, alors que tu as une femme à la maison. Gafoué, voici son sac. Voici le sac de la go. Je ne sais pas trop pourquoi vous n'avez jamais compris le processus du commerce. Dans la loi internationale du commerce, on voudrait que ce soit le client qui aille vers la marchandise et non la marchandise qui vient vers le client. Je n'ai jamais compris pourquoi vous ici au Cameroun, à chaque fois, c'est vous qui partez vers les gens. Est-ce que je t'ai dit que je veux le sac? Et en plus de cela, tu me vends des sacs féminins. Regarde, quand je faisais mon BTS en commerce et marketing en 2009. Grand frère, le discours c'est pourquoi moi je vends seulement les sacs, les robes et tout ça là. Oui, c'est justement pour ça, ça va t'aider. Quand je faisais mon BTS en marketing et en commerce en 2009, on nous a bien appris avec justesse que dans la politique commerciale, il faudrait d'abord étudier il faudrait d'abord faire l'étude de faisabilité, l'étude du marché, c'est-à-dire se rassurer que mon public cible veut vraiment les sacs. Ah, c'est ça que tu as fait à l'école, hein? Oui. Oh, et ça se passe bien là-bas? Oui, je suis encore là, je suis encore à l'école. Tu payes quand même ton loyer avec ça, non? Je suis en interdit que je ne veux pas les sacs. Voilà. Ok. D'accord. Moi, il va alors aller vers les gens qui veulent les sacs. Donc, toi, tu restes gérer ton stratégie marketing et tout ça là. Toi, tu tout ça, le colmant et tout ça sur le terrain. Les ouais de l'heure! Voilà. Les sacs de l'heure! Hey! La go, regarde. Mais de Kim Kardashian, regarde. Ma, regarde la robe, regarde la chevelure, la chimamelu, sa mari, la. Yeah! Lady Gaga ne te peut pas. Donne-moi les deux alors. C'est seulement 10 000. Mais si tu veux bailler à 12 000, il n'y a pas de souci. Je prends, je supporte les 2 000 qui sont au-dessus là. Moi-même, je paye ça. Quand c'est donne-moi là. Hein. Bonjour. Ok. Oh, que les gens ici sont seulement bizarres comme ça. Voilà, c'est même chanceux. Elle t'a dit bonjour. C'est tout ce qu'elle s'est dit, tout le monde a fait. La grosse, c'est même pour toi qu'elle est venue. C'est même pour toi qu'elle est venue. Ben, je me demandais pourquoi il marchait depuis. C'est toi qui est venu pour ici là. Regarde ton charisme, Ganteur. Regarde ton charisme, Ganteur. Tu vois qu'il manque un truc. Il manque un seul truc dans ton charisme. Regarde. Prends d'abord, Ganteur. Ça, c'est le sac qui marie avec toi. Net, net, net. Regarde. C'est net ta part. Net ta pointure. La pointure de sac, normalement, tu choses 42, les sacs. Voilà ça. Hey! Avec le sac, là, non. Personne ne te peut plus. Personne ne te peut plus. Toutes les autres filles de l'université, non. Quand tu posais ça là, non. Toutes les autres sont des villageoises. Tu échoues. Une fille passe même. Mais à ses yeux, tu es plus supérieur. Garde, dis-moi les dos. Normalement, il sait que si même c'est 50, tu vas me donner. Mais je ne veux pas te déranger. J'ai dit, c'est 20 000. Tu me donnes l'argent. Moi, il prend ses mains. C'est tout. Tu vois, même si c'est que tu as la sous-moyenne. Une étudiante à la moyenne, elle ne se peut pas avoir le sac-ci. Tu pas seulement les deux. Et moi, je ne veux pas te taxer. Je sais que tu, normalement, si je te laisse faire le 2 même 50 000. Mais moi, tu pas seulement 20 000. Je prends. Tu vois un peu. Je ne veux pas finir ton argent. C'est pas bon. C'est vrai que c'est un joli sac. J'aime ton sac. Mais. Et puis l'argent, j'ai tout dépensé pour faire la cuisine avec. Tante, tu as utilisé l'argent que tu avais pour faire la cuisine. Oui, t'as même 5 francs. Ah, donc tu savais qu'il venait. On avait rendez-vous. Ok, tu dis que tu as fait la cuisine, non? Ça veut dire que tu savais que j'avais faim. Non,
tu es là au lieu de vendre. Va vendre tes produits. Je ne savais pas que tu avais fait. Je n'ai pas vendu les produits comment. Ok, tu dis que tu as fait la cuisine, non? Ça veut dire que tu savais que j'avais faim. Tu es là au lieu de vendre, tu viens demander la nourriture ici. Non, c'est pas que je demande la nourriture, c'est juste que bon, c'est toi qui m'as provoqué aussi avec la nourriture. Non? Tu as commencé à dire que tu as fait la nourriture et tu vois, il est à peine 13h, depuis là, il ne vend pas. C'est mauvais, le dehors est chaud. Hein? Regarde, où sont les pommes? Tu es venu vendre, tu es venu fumer l'odeur de la nourriture ici. Non, mais regarde, c'est qu'à un moment donné, on ne sait jamais, je peux vendre, il est 13h aussi. Entre temps, là, tu peux aider aussi ton frère. C'est pas les pommes, tu as vu les pommes beaucoup. Ouais, c'est que j'ai quand même une expérience et un CV, non? Donc si c'est qu'il pose une question comme ça, c'est pas une question anodine. C'est que j'ai bénéficié quand même d'une expérience professionnelle solide. Quand tu dis que c'est les pommes, c'est qu'il y a un soupçon de poche, j'entends l'odeur. Pourquoi tu insistes? Va vendre tes articles. J'ai pas fait les pommes. Regarde, je m'appuie sur des théories qui ont été démontrées, approuvées et tout ça là. Tu vois, quand tu jures que ce ne sont pas les pommes, mets-toi dehors. Mets-toi dans l'air, ça ne sont pas les pommes. Oui, c'est les pommes. Ah ah! Moi, je suis un artiste. Je suis un artiste de la nourriture. Hé, hey, attends. Gante, tu penses que je posais la question? Quoi? Parce que, comme tu peux voir là, moi que tu vois là, moi, j'ai maillé les pommes toute ma vie. Ma mère cultivait les pommes. Pendant que les autres cultivaient le maïs, la hachette, elle cultivait les pommes. Elle a préparé les pommes sur toutes ses formes. Les pommes pilées, les pommes sautées, même les pommes brûlées. Parce que parfois, elle brûlait les pommes, on mangeait avec l'huile rouge. Parfois, il y a aussi les pommes grillées. C'est que quand elle est en train de sauter les pommes là, ça se grille au fond. Ça devient les pommes grillées. Donc c'était la magie. Attends, ne me dis pas que tu as pris ta chaise, tu es assis là parce que tu espérais manger les pommes. C'est même pour ça que je me suis assis. Tu vois, tu es intelligente. Regarde, toutes les filles qui sont à l'université ne sont pas bêtes. Toi, tu es intelligente. Regarde, en fait, essaye de voir comment tu peux me servir aussi. Non? Comme ça, je mange rapidement et je pars. Non? Comme il y a le travail. Lève-toi comme tu t'es assis là. Tu pars. Va toquer chez les gens. Regarde, pas vendre comment? Ce que j'ai mangé. On avait rendez-vous. Non, regarde, regarde, moi, il est 13. Je suis là. Je suis aussi ton frère camerounais. C'est pas un truc que tu. Parce que ça va pas te tuer. Toi-même, tu dis que tu as dépensé tout l'argent que tu avais pour préparer. Donc, en fait, c'est comme si c'était un peu la rupture de la réunion. Enfin, tu ne peux pas dépenser tout l'argent que tu as alors que pour préparer une petite nourriture. Tu me dis quoi? Que tu n'as pas l'argent. Donc, tu retires ma passe, c'est un petit. Tu me donnes. Je mange et je parle, non, quand tu veux. La carité, ce n'est pas seulement aller donner à l'église. Il faut donner aussi aux pauvres. Les pauvres, ce n'est pas les gens qui s'asseyent devant l'église pour demander les saintes paroles. Il y a les pauvres ambulants. Moi, je suis un pauvre ambulant. Petit est. Pour l'amour de Dieu, même si c'est n'importe comment. C'est vraiment petit. Tant que ma langue touche quelque chose, c'est vraiment un petit. Un peu est. Il n'y a pas de soucis. Lindelo, une minute, s'il te plaît. Viens. Oui, une minute. Attends. Lindelo, pourquoi tu fais ça? Depuis que tu es venu ici, là. Quand vous êtes arrivés ici, je vous ai tous accueillis. Je vous ai aidé à transporter vos choses, à vous installer. Je vous protège ici en tant que grand frère, en tant que le plus ancien. Pourquoi tu fais ça? Tu fais quoi? Depuis que tu es venu ici, tu m'as donné même un grain de riz. J'ai donné à qui tu as vu? Mais à peine un individu comme ça que tu connais même pas passe. Tu lui sers un plat de pomme avec la viande sur ça. Moi, je suis là, je regarde. Je n'ai rien donné, je lui ai rien donné. Tu lui as pas donné, il a bien mangé quoi? Pourquoi tu fais quoi? Il a bien mangé quoi là? Tu as pris ça où? C'est salé, hein? Tu es amoureuse. Je dis que tu as pris ça où? Ou comment? Tu n'as pas préparé les pommes. Donc tu es entré chez moi te servir? Non, je ne suis pas entré chez toi. Tu voulais me donner les pommes, non? Et puis comme lui il t'a appelé, tu avais dit que tu devais me servir. Je voulais te donner, je t'ai donné. Tu voulais me servir, il t'a appelé et puis vous étiez en train de causer. Je sais que c'est ton voisin, peut-être vous pouvez causer comme ça jusqu'à demain. Sauf que moi je suis pressé, je dois aller vendre les sacs. C'est comme ça que je me suis dit que mieux on gagne en temps, non? Je t'ai demandé d'attendre. Tu sais que ça va te donner comment? Je sais que tu devais attendre jusqu'à quand? Tu devais causer là-bas. Je sais. Mais de là où tu es entré chez moi, là, si quelque chose se perd, je ne pourrais même plus accuser Carlo. Tu es entré chez les gens, comme ça. Qu'est-ce qui va se perdre? Pourquoi? Toi, tu as dit que tu avais fini tout l'argent pour payer les pommes, si là, j'ai pris seulement une partie des pommes. Qu'est-ce qui va se perdre? Et j'avais cuisiné ça pour toi. Faut c'est pas toi qui m'as donné. Tu t'es donné où? À quel moment? Donc tu me dis quoi que j'ai volé? Ça, c'est du vol. Tu peux pas entrer chez quelqu'un et te servir comme ça.
Quand c'est pas parce que tu m'as donné un prêt, bon, je vais me têter de je t'ai donné. Oh, 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 oh. Madame l'intellectuelle, qu'est-ce qui s'est passé ici? Regardez, le bon monsieur est entré, il s'est permis d'entrer dans ma chambre. Il s'est servi et ça sort gaillardement, il mange. Les petits garçons-ci, oui. Sont rentrés les chambres, les vous. Vraiment. Sont les servis, les nourritures. Sont venus s'asseoir ici, sont les merveilles. À un moment donné, il faut qu'on restitue les choses dans le contexte. Oui. Même à l'église, on dit que on pêche en pensée, en parole, par action et par omission. Je suis d'accord avec vous. Ce n'est pas seulement pour les péchés que ça fonctionne comme ça. Ce n'est pas seulement pour les péchés. Oui. Même quand tu veux donner quelque chose à quelqu'un, tu donnes en pensée, en parole, par action et par omission. Elle m'avait déjà donné en pensée. Au moment où elle veut matérialiser ça, un coucou l'appelle là-bas et elle oublie. Et elle m'a donné donc par omission. C'est le procès là qui est entré les chambres de lui. Parce qu'elle m'avait déjà donné, non? Qui est le servi, les nourritures, qui est le sorti, qui est le assoi, qui est le mianzé. Et c'est comme ça, et il vient me têter de couleur. Tu vois pas que c'est un permis, non? Ça, c'est le vol. J'ai dit, j'ai le vol, ça, c'est le vol. Mais je t'ai donné. Quel vol? Je n'ai pas donné le toit. Qui est rentré les maisons, qui est les servis, les marmites. Ça, c'est le vol. Je suis les cirques, les maisons, les mamans, les toits. Qui est les volés? Les petits. Attends, je vais te dire quelque chose. Hein? Levez-vous. Levez-vous. Vous donnez d'abord les plans de merzement là. Je vais te dire quelque chose. Tu vas m'yarcer. Tu vas m'yarcer sans regarder les derrière les toits. Si tu regardais les derrière les toits, c'est que je vais te faire quelque chose. Tu n'es pas les comprendre. Oh. Allez. Faut partir! Faut partir! Je vais lui dire quelque chose. Si j'ai péché, laissez-moi pécher. Aujourd'hui, je devais mettre vous les prisons. Je devais mettre vous les prisons. Mais vous êtes les charges. Parce que vous voulez laisser un peu les gens dans les pommes. Sans ça, je suis les mettre vous les prisons. Comment? Tu es le mauvais enfant. Vous pouvez m'enfermer pour homicide alors que j'ai seulement blessé la personne. C'est autant que la personne meurt complètement. Non? Les gens sont les parents qui sont là, discuter. Comment? Depuis je suis les. Madame l'intellectuelle, je vais vous dire quelque chose. Depuis je suis les cités, hein, les petites madames sont refusées moi les pommes. Toi, aujourd'hui, tu sont préparées les pommes, les jeter. Les odeurs sont les tiennes, moi, les chambres, les moi. Tu n'es pas appelé, les moi. Tu donnes les pommes, les petits garçons. Toi, là, tu n'es pas les bons quelqu'un. Moi, j'ai amené ça en tant que les chiens. J'ai dit décollage. Décollé. On a refusé même les pommes. Les chiens sont les pains. Va chercher les pommes qui a ajouté encore. Les quartiers sont les petits. Faut partir, ajouter les pommes. Ici c'est l'onjoka, on s'en fout des belles filles. Les chameaux robots sont les belles filles, c'est demain. Il a même préparé ça. Il a mis les carottes. Mangez les bons. Les bons bons sauts. Même si ça transpire, le rythme nous amène.